Hey, que J'espère que vous allez bien, en tout moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, vous savez que des Fun Facts Yugi, j'en vois plein passer régulièrement, et quand j'en trouve des sympas, et eh bien je les mets de côté, et là en l'occurrence j'en avais une dizaine, donc je me suis dit, bah go, on en fait une vidéo, ça fait une vidéo top 10 des Fun Facts Yugi, etc. C'est un petit peu une sélection de ma part, et j'espère qu'elle vous plaira. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fun fact, et eh bien c'est tout simplement un fait sympa, c'est une anecdote, grosso modo, concernant, et eh bien ça peut être en l'occurrence dans Yu-Gi-Oh, une carte, un artwork, un passage de l'anime, un jeu vidéo, un personnage, un créateur tout Un tas de choses, et globalement, c'est pour ça que ce format là il est pratiquement inépuisable. D'ailleurs, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des fun facts que vous trouvez vraiment sympa et que vous n'avez pas forcément vu ailleurs, n'hésitez pas à me les partager également. Je pourrais potentiellement les réutiliser pour de prochaines vidéos et partager eh bien, votre retour avec tous les autres abonnés. Et puis, si cette vidéo te plaît, tu peux toujours lâcher ton pouce, t'abonner. C'était peut-être instant pub. Globalement, on a terminé, on peut passer à la vidéo. Pour commencer, les fun fact, je suis très fier puisque celui-ci, je l'ai trouvé un peu tout seul. C'est moi qui l'ai découvert, entre guillemets, et je me suis rendu compte que sur internet, j'étais pas du tout le seul à l'avoir remarqué. La carte Oradus. Oradus, c'est une carte que beaucoup de personnes connaissent puisque c'est une carte qui est jouée dans la version la plus présente de Héros, puisqu'elle permet de se défausser, d'aller chercher une masse diffusion des ténèbres. C'est quelque chose qui est quand même assez fort. On la voit régulièrement. C'est la version d'arc du Héros qu'on a eu à l'époque. Et à l'arrière de cette carte-là, on aperçoit une météore, une comète. Et cette comète, pour moi et pour visiblement beaucoup de personnes sur Internet, eh bien ce n'est autre que Nibiru. Nibiru, la carte que l'on a eue dans MP19, cette carte-là qu'on voit dans pratiquement bah, tous les side decks, voire les main decks, et qui mange la plupart des boards qui font plus de 5 invocations. Voilà, c'était le premier fun fact. Effectivement, quand on les compare tous les deux, il y a de fortes ressemblances, ça va dans le même sens, à la même forme. En plus de ça, d'un point de vue sorti, c'est quand même pas sorti trop trop longtemps l'un après l'autre. Et c'est tout, on peut passer au deuxième fun fact. Pour la sortie du film Pyramide de Lumière en 2004, eh bien, il y avait des cartes promotionnelles qui étaient données lorsque tu prenais ta séance de cinéma, et notamment le dragon blanc aux yeux bleus rayonnant. Pour comprendre la suite, il faut absolument que je vous lise sa condition d'invocation. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement en sacrifiant un monstre, dragon ultime aux yeux bleus, et non invocable spécialement autrement. Le truc, c'est que le fameux ultime dragon blanc aux yeux bleus que l'on connaît, c'est la carte de Kaïba, eh bien, elle n'est pas sortie avant 2006 dans le magazine V-Jump. Ça veut dire que pendant deux ans, on avait une super carte Yugi qui fait des trucs assez sympas que l'on ne pouvait juste pas jouer du tout. Est-ce que vous ne trouvez pas ça incroyable? Forbidden Memories est un jeu sorti sur PlayStation en 1999, et on sait qu'à l'époque, ne serait-ce que dans l'animé, euh, les règles, les cartes, etc., c'était déjà euh, pas mal, pas mal bafoué. Euh, on pouvait énorme des cartes style dragon blanc aux yeux bleus, tu pouvais activer des cartes pièges sans payer les costes, ou même choisir de détruire avec ton propre monstre des cartes magie. Enfin, c'était juste incroyable. Et pour ajouter un petit peu de peps à ce non-respect total des règles du jeu, eh bien, le jeu a décidé de faire des effets de cartes qui n'étaient pas du tout cohérents avec les effets dans la réalité, on va avoir des cartes comme Étincelle qui était beaucoup plus faible que dans la réalité puisqu'elle n'infligeait pas 200 mais seulement 50 points de dégâts alors que vous aviez bien 8000 life points. Alors qu'à côté de ça, on avait des cartes comme John Keto qui lui, eh bien, ne guérissait pas 1000 life points mais 5000, 5000 life points. Imagine cette carte-là, tu la joues x3 dans tous tes decks, clairement, ça serait juste beaucoup trop fort. D'ailleurs, Diane Keito, on en a déjà parlé dans la vidéo de la censure sur la nudité, et si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à cliquer juste au-dessus pour aller vous renseigner. Il y a des trucs assez sympas concernant ce personnage. Hideo Kojima, je suis désolé pour mon japonais absolument dégueulasse, Ideo Kojima est une figure emblématique de Konami. C'est un concepteur et développeur de jeux vidéo qui a travaillé pour Konami, pour la firme Konami, de 1986 à 2015. Soit une bonne paire d'années, mine de rien. Si j'ai bien compris, son contrat avec Konami, c'est pas extrêmement bien terminé et ça va peut-être expliquer le fait qui arrive juste après. Le truc avec Hideo Kojima, eh c'est qu'il avait un surnom et son surnom, c'est Ojama. Les légendes racontent que s'il a dû attendre autant de temps pour avoir du support pour l'archétype Ojama, et si c'est vraiment sorti au compte-goutte, vraiment au fur et à mesure, eh bien, ça a un sacré lien avec ce fameux personnage. Si je vous demande quel est le monstre normal le plus puissant des cartes Yu-Gi-Oh, il y a de fortes chances que vous pensiez très rapidement au Magicien des Ténèbres ou au Dragon Blanc aux yeux bleus. Eh bien, sachez que c'est pas du tout le cas. Quand je dis plus puissant, c'est ayant l'attaque et la défense combinées les plus fortes et le plus gros chiffre en fait, tout simplement. Eh bien, pour les monstres sans sacrifice, eh bien, c'est Artogarius le Chevalier Noble. Et pour les monstres à sacrifice, c'est un petit peu ridicule, mais c'est Drago Lapin. Voilà Drago Lapin, qui est une carte un peu fun. Pas forcément incroyable puisqu'elle a que 2950 d'attaque, donc elle ne passe techniquement pas le blue eyes, mais en termes d'attaque et de défense, elle est quand même nettement au-dessus. Voilà, ce fait était un peu nul, mais je trouve ça quand même super sympa de savoir que techniquement sur le papier, et eh bah ben, Drago Lapin c'est plus puissant que le dragon blanc en yeux bleus. C'est quand même assez marrant, désolé pour toi Kaiba. Les trois dames harpies de Mai, que l'on voit régulièrement au dames numéro 1, numéro 2, numéro 3, eh bien, il faut savoir qu'elles ont des prénoms. Leurs nom serait Eiro, Occupette et Kairano. J'ai vraiment aucune idée si je le prononce correctement, mais je trouve ça super fun qu'on puisse savoir le nom de ces trois dames harpies qui sont si emblématiques de Mai Valentine. Petit fun fact qui se rapproche un peu plus de la méta, il faut savoir qu'avant l'arrivée des liens, le seul archétype qui était capable d'invoquer tous les types d'invocations en restant dans son archétype, eh c'était l'archétype Odysseus, puisque à eux, ils avaient des pendules, des fusions, des synchros et même des Xs. Celui-là, il est un petit peu bizarre et c'est justement pour ça que j'ai décidé de le garder. Le synthétiseur que l'on connaît, elle noire de la vague de l'ombre, eh bien, il a un visage dans le bec. Donc ça veut dire qu'il a un visage dans la bouche. C'est un peu bizarre, je ne sais pas exactement comment l'expliquer ni pourquoi ça a été mis là, mais voilà, j'ai envie de vous en parler tout simplement. Celui-là, petite dédicace à Doc 7, puisque quand je m'en suis rendu compte, je envoyé un petit message et ça l'a fait marrer, la carte numéro 7, ligne de chance. Eh bien, il faut savoir que cette carte-là a 7 fois le chiffre 7 qui apparaît sur elle-même. Une fois sur le nom, sur le rang, sur l'attaque, sur la défense, le niveau de matériel requis, le multiplicateur de 700 et l'effet supplémentaire si votre jet additionné est 7. C'est juste fun comme information, ça n'a pas d'intérêt, ça changera rien dans votre vie, mais je trouvais ça super marrant. Et pour le dernier, on part sur une bonne note afin de clôturer, eh bien, c'est faits sur Yu-Gi-Oh! Yusei, donc le héros principal de 5-10, ne perd jamais. Un duel à part dans les flashbacks, mais il ne perd officiellement jamais un duel. Et bien voilà, j'espère que ces dix faits sur Yu-Gi-Oh! vous auront plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. C'est des trucs qui me font des petites informations croustillantes qui me font toujours kiffer. Et bah, si ça vous plaît, franchement, on peut refaire ce format de vidéo assez facilement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, votre abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, bah, je vous embête pas plus. Je vous dis sûrement à mercredi. Prenez soin de vous, faites un nouveau duel et collection de cartes. Et surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao!